déverrouiller mon iPhone. Test. Test. Incroyable. Ce que je vous ai trouvé, les amis, vous n'allez pas en revenir. C'est parti, donc bienvenue sur Vision High Tech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui les amis, donc une vidéo qui n'a jamais été vue sur YouTube. Je vais vous montrer comment utiliser le contrôle vocal de votre iPhone en créant vos propres commandes. Personne n'a montré ça sur YouTube. Je peux vous dire qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir faire énormément de choses sur votre iPhone. Vous allez pouvoir lancer des commandes, créer des commandes vocales, développer votre propre contrôle vocal, que vous soyez une personne en situation d'handicap moteur, visuel, ou si vous êtes une personne qui aimait les nouvelles technologies, surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne Vision High Tech pour continuer donc à encourager la chaîne. Et pensez bien à liker et à partager cette vidéo, car elle va être énorme. Je vais vous montrer comment créer vos propres commandes. C'est sur Vision High Tech, la chaîne de l'accessibilité pour tous. C'est parti! Alors dans cette vidéo, on va parler de contrôle vocal. Comme vous savez, le contrôle vocal est arrivé en français et j'ai découvert cette fonction par hasard en me penchant sur cette fonction. Et j'ai découvert cette fonction que j'avais envie de vous partager puisque comme vous savez, sur Vision High Tech, on partage un maximum de choses qui peut être accessible à un maximum de monde. Avec ce contrôle vocal et cette possibilité de créer ses propres commandes vocales, vous allez pouvoir, vous, en tant que personne en situation d'handicap ou pas d'ailleurs, vous créer vos propres commandes. Et vraiment, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas donc à la partager et surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Ça m'encourage, ça encourage la chaîne, c'est important pour la continuité de la chaîne, vraiment. Je compte sur vous et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous en voulez d'autres. Ça me motivera à encore chercher un peu plus des solutions pour vous. Comment créer une commande vocale, comment donc utiliser ce contrôle vocal à bon escient. Vous pouvez faire tellement de choses, c'est votre imagination qui peut vous arrêter ou pas. Et si vous êtes une personne aveugle ou très malvoyante, pour exécuter ce genre de fonction, n'hésitez pas donc à chausser un casque, à mettre vos AirPods, car la commande vocale écoute tout ce que vous dites et c'est préférable d'avoir vos AirPods dans vos oreilles. Alors attention, pour beaucoup de solutions que je montre, souvent, il faut minimum un iPhone XS, donc un iPhone 10S ou 11 ou 12 ou 13, car les fonctions en dessous parfois sont inopérantes. Et je vous montre comment créer vos propres commandes vocales. Je vous montre quelques exemples. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, ça fait plaisir. Ce qui va être important, c'est que grâce à cette technique, vous allez pouvoir faire tellement de choses, vous allez pouvoir vraiment exécuter tout un tas de tâches, tout un tas de commandes consécutives qui vont vous permettre d'utiliser votre iPhone encore plus loin. Puisque comme vous avez pu voir en début de vidéo, si je verrouille mon iPhone et si je veux le déverrouiller et par exemple j'ai un masque et que vous ne possédez pas un iPhone 12, eh bien le problème sera résolu avec le contrôle vocal et la création de commandes vocales. Par exemple ici, activer le contrôle vocal. Très bien, j'ai activé la commande vocale. Donc comme vous voyez déjà, il n'y a rien à faire, vous, avec votre ami Siri, vous activez le contrôle vocal tout simplement sans problème. Alors l'avantage avec ce contrôle vocal est la création de commandes vocales. Vous allez pouvoir donc cumuler tout un tas de raccourcis vocaux qui vont vous permettre d'être encore plus productif. Ce qui veut dire que là aussi, vous avez un masque, vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone malgré votre masque. Puisque comme vous avez pu voir, Apple se fout un peu de notre tronche, puisque Apple n'a mis cette fonction sous iOS 15.4 qu'à partir des iPhone 12. Donc là, franchement, Apple, c'est vraiment pas cool du tout d'oublier les gens qui ont des iPhone 11, des iPhone 10, qui ne sont pas si vieux que ça. Donc, faut arrêter un peu. Alors, on trouve des solutions sur Vision High Tech. On essaye de montrer un maximum de choses pour justement aider un maximum de monde. Vous allez, avec cette technique, pouvoir faire tellement de choses, c'est hallucinant. Alors ici, par exemple, déverrouiller mon iPhone. Assez hallucinant.
Alors, lorsque vous utilisez VoiceOver, je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, surtout pensez bien à mettre vos écouteurs, à mettre vos AirPods, puisque avec VoiceOver, vous savez que la commande vocale est toujours en train de vous écouter, et dès que VoiceOver parle, il perturbe un peu le contrôle vocal. Donc mettez vos AirPods, mettez des écouteurs pour exécuter ces tâches-là, ça vous évitera des ennuis. Donc, une fois que vous avez lancé votre contrôle vocal avec Siri, activez le contrôle vocal. Vous allez pouvoir créer vos commandes. Ici, par exemple, j'ai créé une commande qui s'appelle TikTok. Bonjour, Cécile. Tout simplement, là, vous venez de voir et d'entendre, ça m'a lancé TikTok, j'ai fait une pause, j'ai pu lever, c'est vraiment extraordinaire. Avec ce contrôle vocal, avec la création de ces commandes vocales, vous avez des possibilités ultimes. Lancer vos aspirateurs, faire des tâches inhabituelles à votre iPhone, c'est vraiment énorme. Par exemple, si je lui dis Christophe. Alors, par exemple, avec le mot-clé Christophe, je vais pouvoir par exemple lancer YouTube, jouer, faire descendre mon contrôle. Mon centre de contrôle, faire pas mal de choses, je vous montre ça tout de suite. Christophe. C'est carrément énorme. Avec ce genre de commande vocale, avec cette création de commande vocale, vous allez pouvoir gérer votre iPhone, même si vous êtes une personne en situation de lourd handicap, si vous êtes une personne à mobilité réduite, si vous êtes une personne qui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur la chaîne qui ont de gros problèmes d'handicap, avec cette technique sur iPhone, vous allez vraiment avoir des possibilités simplement par un mot-clé, lancer toute une série d'actions et franchement c'est top. Alors pour exécuter cela, tout simplement, vous allez dire commencer à enregistrer une commande. Commencer à enregistrer une commande. Ouvrir le centre de contrôle. Appuyer sur Bluetooth. Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir YouTube. Ouvrir le Parisien. Faire défiler vers le bas. Faire défiler vers le bas. Arrêter d'enregistrer la commande. Test. Pour YouTube, toucher enregistrer. Voilà, donc là je vous ai montré toute une série de commandes. Pour créer donc une commande vocale, vous allez tout simplement lancer le contrôle vocal avec Siri. Ensuite, une fois que vous avez mis ça en place, vous allez dire commencer à enregistrer une commande. Là, vous allez faire toute une série de demandes. Ouvrir telle application, faire telle chose, vous allez même pouvoir demander à faire apparaître les numéros, etc., etc. Et une fois que vous allez avoir fini, vous allez dire arrêter d'enregistrer la commande. Et là, ça va s'arrêter tout simplement. Une fois ceci fait, vous allez donner un nom à cette commande. Et une fois que vous avez donné le nom à cette commande, vous allez demander à toucher enregistrer pour enregistrer votre travail. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Et maintenant, vous êtes prêt à pouvoir enregistrer un maximum de commandes. Vous êtes prêt à créer un maximum de commandes sous iOS à partir de votre iPhone. On va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne. Test pour YouTube. Donc, ce test était pour aller arrêter le Bluetooth, plutôt cool. Ce mot-clé permettait d'aller décocher la case Bluetooth.
Dites-moi ce que vous pensez de cette façon de faire. Dites-moi ce que vous pensez de comment créer des commandes vocales. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Montrez-moi ça dans la barre des likes. C'est vraiment important pour la chaîne, les amis. Et surtout, abonnez-vous. C'est important pour la suite de la chaîne. On pourra, par exemple, lancer une application telle que Alexa. Météo demain à Paris. Demain à Paris, Île-de-France, il y aura des averses, avec une température maximale de 7 degrés Celsius et une température minimale de moins 1 degré. Voilà donc, il n'y a que votre imagination qui peut maintenant vous arrêter. Vous allez maintenant pouvoir donc créer un maximum de commandes vocales pour vous servir au mieux de votre iPhone. C'était donc sur Vision Hightech, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous, sur les petits likes, sur les abonnements. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible pour tous. N'hésitez pas, abonnez-vous, venez nous rejoindre. Déverrouillez mon iPhone. Signé Zoro. Ah non, signé Vision Hightech. Allez, à très bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous.